Qui a pété, ça sent la chicorée. 1, 2, 3, ça sera bien toi, dit le proverbe. Dans le cadre des processus classiques de digestion, quoi de plus anodin de votre bonne santé qui peut mener au drame? Vibration due à l'onde de choc, picotement dans les yeux, légère nausée, ou migraine due à l'odeur persistante d'excréments dans l'habitacle, et bardaf, c'est lambardé. Sans parler des altercations ou empoignades avec les autres passagers de votre véhicule. Voici donc quelques conseils pour éviter l'inévitable. Primo, évitez de fumer. Un coup de grisou est toujours à craindre. Secondo, ménagez-vous des arrêts fréquents pour flatuler à l'air libre en toute sécurité. Et enfin, tierso, si vraiment vous ne pouvez pas vous retenir, optez plutôt pour le genre de véhicule spécialement conçu pour les usagers sujets à ce type de débordement du tube digestif, j'ai nommé le cabriolet. Bonne route.